Nos héros sont arrivés à Vermilapin. Mais pourquoi Simba est en train de creuser? Il a peut-être trouvé quelque chose à dénicher? Qu'est-ce que tu es en train de faire, Simba? T'as trouvé quelque chose? En vrai, je sais pas pourquoi, mais ce trou, il me paraissait suspect. J'ai trouvé une balle! Une balle? Oh, bon bah, c'est ça qui a attisé ma curiosité. J'ai trouvé seulement une balle. Bon, c'est pas grave. On rebondit bien. Je suis invincible. Sur le chemin de ma destinée, mes amis sont à mes côtés. Une telle rage de vaincre nous anime. Que nous réussirons cette épreuve ultime. Sur la terre, en mer ou dans les airs, je triompherai de mes pires adversaires. Bataille au Mont Chimney. Lava Cookie, qui veut mes délicieux Lava Cookie? Les délicieux Lava Cookie de Vermilava, et en plus les origines. Attends une minute, Lava Cookie? Bonjour monsieur, vous voulez dans ce cas des Lava Cookie? De pur de Vermilava? Eh, mais on en a déjà mangé de... Enfin, on en a déjà mangé des cookies de Vermilava? Ah? Et... C'est la première fois que vous venez ici, non? Oui, c'est la première fois que nous sommes venus ici, mais... Ah, mais attends une minute! Mais oui! Le Shrek Chevalier! Le Shrek Chevalier? Attendez, vous parlez de mon ami là? Oui, on a rencontré un Shrek Chevalier à Boivre-Sel. Oh, vous connaissez mon pote Shrek Chevalier? Ouais. Ah, oh, il lui tient un stand à Boivre-Sel. C'est nous qu'on partage l'argent. Ah! Oh. Ah, oh, bah ça fait plaisir en tout cas de vous rencontrer, Bulle Bizarre. Ouais, je suis. Un vendeur de cette ville, et je dois bien faire fonctionner un peu le marché. Alors en ce moment, il me reste plus que deux lava cookies. Est-ce que ça vous intéresse? Ouais, pourquoi pas. Et comme vous êtes un ami de Shrek Chevalier, je vous en fais cadeau. Sérieusement? Vous nous en faites cadeau? Je fais trop bien mon affaire ici. Et j'ai entendu dire qu'il prenait un peu de repos, n'est-ce pas? Oui. Il voulait se consacrer un peu au repos, fermer sa boutique, et qu'il passerait lorsqu'il part ici. Ah, bah pour l'instant je l'ai pas encore revu. Je sais, je me demande bien personne ce qu'il fait. Peut-être qu'il s'est accordé quelques vacances, effectivement. En tout cas, c'est cool de devoir donner des lava cookies. Ah, naturel. Allez-y, prenez-les, c'est à vous. Oh, génial! Merci beaucoup! Pendant ce temps-là, bah dans ce cas, je vais pouvoir faire mon magasin. Et ben, c'est cool en tout cas que Shrek Chevalier se porte plutôt bien. Si voilà. Si tout va bien, tout va bien. Et à plus. Bon ben, on n'aura pas au moins discuté longtemps, mais... Ça donne faim tout ça. J'aimerais bien goûter un petit peu. Oh oui, vas-y. Merci. Délicieux. Je vais bien goûter un peu. Bon, en tout cas, ça fait plaisir un peu de manger un petit peu. Bon, bah, on devrait pouvoir aller maintenant au Mont Chimney. C'est parti. Bienvenue à la nacelle de Vermilava. Vous pouvez dans ce cas aller au Mont Chimney un peu plus facilement. Ouais, bienvenue. Bonjour les Jinjo. Jinjojo et Jinjo Violet. Ouais, c'est bien nous. Ouais, il faudrait bien qu'on puisse aller au Mont Chimney. On a une affaire de peu d'importance. Ah, justement, j'ai entendu dire qu'il y avait des problèmes au Mont Chimney. Il y a la team Magma et ils sont en train de nous péter les boules. Ouais. Et je...
pour la peine, c'est restreint pour aller au mont Chimney. Je peux pas vous recommander d'aller là-bas. C'est vraiment important. Il faut vraiment qu'on aille là-bas. C'est justement pour s'occuper d'eux. Ou dans ce cas, vous occupez de battre la team magma. Bah ouais, c'est notre but. Il faut qu'on récupère l'orbe de feu. Oh, ils veulent l'orbe de feu? Quoi? Eh, non, pas question, vous pouvez avoir l'orbe de feu comme ça. À moins que vous avez une bonne raison pourquoi. On en a besoin pour servir comme d'une espèce de clé. De clé? Mais une clé de quoi? Oh, c'est vraiment pur personnel. On doit réunir vraiment les trois orbes élémentaires. Quoi? Vous désirez vraiment dans ce cas les trois orbes élémentaires? Le feu, l'eau et la terre? Ben, pourquoi y a un problème? Vous savez que ces orbes sont extrêmement... Comment dire ça? Et très dangereux. Ouais, mais on raconte que celui qui est du même type que l'orbe, n'aura pas des effets dévastatrices. Ça, c'est bien vrai. Dit Jojo, on devrait peut-être les laisser prendre. Ouais, mais bon, faut qu'on fasse fonctionner quand même la machine, faut bien faire fonctionner le travail. C'est quand même pas donné de pouvoir prendre la nacelle. Pas alors. Écoutez, en général, c'est 3 € par personne pour pouvoir utiliser la nacelle. Mais comme vous êtes là pour une bonne raison, que vous voulez casser la gueule à Team Magma, en général on le fait gratuitement. Mais quand on a des problèmes d'argent et on veut pas finir, et comme on est un peu au chômage partiel, on a vraiment besoin d'argent pour faire fonctionner un peu le service touriste. Vous voyez ce que je veux dire? Oh oui, c'est vrai. Du coup ça coûte combien? Bah du coup ça fera vraiment que 3 € pour vous tous. On paye que 3 € seulement, c'est tout? Ouais, tout à fait. Ok, entendu. Juste 3 €. Et voilà! Oh, merci beaucoup. Comme ça, au moins, on va pouvoir essayer de faire en sorte de pas perdre le travail, que ça reste stable. Ouais, qu'on met pas les clés sous la porte, sinon, adieu la nacelle! Merci beaucoup. En tout cas, vous faites bonne montée. Vous en faites pas, vous pouvez redescendre plus facilement de l'autre côté. On peut redescendre plus facilement que de passer par la nacelle? Oui, y a pas de souci. Bon, bah, les gars, allons-y. Allons-nous occuper la team magma. N'oubliez pas! C'est parti! Wow! Wow! En plus, on voit bien toutes les routes en plus vues d'en haut. On ne devrait pas tarder dans ce cas arrivé. Un peu plus dans le mont Chimney. Stitch, c'est vraiment très sérieux. Maintenant que c'est nous qui avons possession dans ce cas de l'orbe de feu, il faut surtout pas que les autres, ces petits morveux, puissent mettre la main dessus. Oui, je suis bien au courant. Vois-tu, l'orbe est ici. Alors c'est à nous dans ce cas de veiller sur lui. Surtout que toi, Stitch, est extrêmement confiant en toi avec tes gros bras. Donc tes gros muscles, ils sauront faire des dégâts. Oui, je peux en faire très mal. Bien, tu resteras avec moi, c'est toi le garde du corps. De toute façon, on a une bonne équipe. Et ils vont se prendre une bonne raclée. Ils n'auront vraiment aucune chance. Ah, nous y voilà. Pas de trace en tout cas de l'orbe de feu. Mais on dirait que j'arrive à le sentir. Je sens qu'il est là-haut, tout là-haut. Ouais, c'est pas très loin d'ici. On pourrait faire vite, il fait un peu chaud ici. C'est vrai, petit ours peut pas tenir longtemps face à cette chaleur extrême. Sinon, je peux faire pleuvoir. Faut pas quand même non plus abuser non plus tes tartes. Par exemple, moi je voudrais pas. Ouais, c'est vrai. Continuons. Oh, regarde un peu ça. Ah! Des sbires! Ah, il fallait bien que quelqu'un ose se mettre en train de notre chemin. Et sachez d'une chose, la chef nous a dit des tas de choses par rapport à vous. Il est temps cette fois-ci que vous puissiez comprendre que vous n'aurez jamais l'orbe de feu. Pas touche! Dans les deux cas, c'est nous qui vont dans ce cas remporter ce combat. Je le sens franchement d'avance. Ha ha ha! Fais-moi rire! Cause toujours, tu m'intéresses. Trêve de plaisanterie,
Battons-nous! Un coup est lancé par des sbires de la team Magma. Je m'en occupe. Et moi aussi. On va former le super duo. Faites attention à vous deux. Pas de soucis. Déflagration. Casse. Tonnerre. Aïe. Lame bourdonnant. Aïe. Lame bourdonnant. Jamais vu cette attaque. Elle te plaît? Ça fait mal plutôt. Fatal foudre! Te faible pas trop non plus, Pichu. J'ai peur rien. Il faut savoir un truc, vous savez que les... que toi en tant que Pichu, tu devrais savoir que si tu utilises tellement d'attaques électriques, tu fatigues beaucoup. La ferme! Je veux bien savoir pourquoi tu étais engagé. Ça me fait ni chaud ni froid, mais attaque pied brûleur. C'est un coup critique. Ça l'a beaucoup affaibli. Non seulement l'attaque fatale foudre a été vraiment de trop, mais grâce à pied brûleur, tu as fait des attaques. Ça c'est bien vrai. Pichu est vraiment, vraiment fatigué à cause de fatale foudre. C'est vraiment quelque chose... À bien réfléchir à deux fois. Tunnel. Hein? Faut vraiment que je puisse savoir où est-ce qu'il est. Tu sais où il est? En fait, non. Oh, c'est pas possible. Tunnel. Starcas. Pichu est KO. Yeah. Formidable, Simba. Dans ce cas, attaque boomerang tornade. Aïe. C'est tout. Lance flamme. Super casse. Tonnerre. Down. Les sbires de la team Magma ne sont plus capables de se battre. Franklin et Simba ont gagné le combat. Du gâteau. Surcharge. Sans commentaire. Donc dans ce cas, on se replie. Continuons. Coucou. Ah. Nous sommes les duos de feu. Duo draconique, mais moi de feu. Ok. Et donc. Vous désiriez peut-être que un bon petit coup dragon, un coup de feu dans vos derrières? Non merci, mais on veut bien vous battre. Vous avez le cul dans ce cas d'essayer d'affronter en plus moi lors du précédent épisode, mais vous ne pensez pas sincèrement qu'on va vous laisser faire aussi facilement, hein? Non. Cette fois-ci, on aura employé des stratégies encore bien mieux que vous ne l'imaginiez. Un combat est lancé par les sbires de la team Magma. Maintenant, il faut vraiment se focaliser sur une nouvelle stratégie. Bon, qui est-ce? Pas moi. Ça, par contre, c'est d'or, c'est sûr. Toi, tu voudras jamais. Bon, Grand Schtroumpf. Techniquement, non. Ok, Simba. Pour être tout à fait honnête, j'ai déjà arrivé à un combat, je peux pas me reposer un peu? Tu me diras, moi aussi, il faudrait que je me repose un peu. Bon, il reste plus que Petit Foc et Tétarte. Allez-y. Ok, entendu. Oh, ça va faire du bien de me battre un peu. Pareil pour moi. Ça s'annonce vraiment aussi pour nous, Yoshi. Oh non, en plus, c'est une type glace. J'aime pas la glace. Tant pis pour toi. Laser glace, Aïe. Spercas. Il y aura quoi? Spercas. Pas de problème. Je pense qu'on a quand même d'autres stratégies. Ouais, il faut pas oublier en plus que je suis de type combat dragon. Casse-brique. Spercas.
Heureusement que Type Combat, ça peut me sauver. De certains petits gêneux, que dans ton genre. Forme Atlas. Hydro-canon. Supercasse. Blizzard. Supercasse. Point draconique. Aéropiqué. Laser glace. Supercasse. Yoshi et KO. Super. J'ai posé mon attaque de type O face à ce Jinjo. Hydro-canon. Oh, ça c'est beaucoup plus puissant que tes tartes. Oui. Oh non, c'est un échec. Oh. Down. Les sbires et la team Magma ne sont plus capables de se battre. Tétard et Petit Phoque ont gagné le combat. Une bonne chose de faite. La patronne va être folle de rage. Ça, je te le fais vraiment pas dire. C'est un échec cuisant. On peut rien faire face à eux. Ils l'ont bien mérité. Oh, formidable. On va pouvoir monter jusqu'au sommet du mont Chimney. Je pourrais sentir l'orbe de feu qui est proche de nous. Allons-y. Ça y est. On est arrivé au sommet. Bon, il ne reste plus maintenant qu'à trouver où se trouve cette orbe. Décidément, ça ne m'étonne même plus de vous. Belle, la chef de la team Magma. On est enfin arrivé. Et maintenant, on veut cette orbe de feu. Qu'est-ce qui vous fait rire? Tout simplement que tu viens d'arriver presque en retard. Pourquoi dans ce cas en retard? L'orbe de feu va bientôt faire son effet. Il est en train d'arriver à sa finition finale. Finition finale? De quoi est-ce qu'elle parle? Oh, vous voudrez peut-être pas savoir, mais si jamais on arrive à faire en sorte que l'orbe de feu soit atteint sa puissance maximale, eh bien dans ce cas, on va pouvoir créer une grosse canicule dans tout le monde entier. Et comme ça, tout le monde s'en va crever de chaud et vont dessécher. Franklin, j'ai peur de ça. Non, pas possible. C'est ça dans ce cas leur fin, de pouvoir cette orbe de feu pour pouvoir faire une espèce de grosse canicule et de faire... de transformer comme un espèce de secteur d'Oen en zone désertique. Exactement, tout à fait. Et bien sûr, hors nous, bien sûr, qui vont être immunisés contre ça, parce qu'on a de quoi se protéger grâce à des écrans solaires. Et aussi d'autres... vous savez, pour se protéger, pour faire de l'énergie avec le soleil. Une espèce de... enfin bref, qu'importe. Ah, je suis pas venu pour faire des cours de science ou quoi que ce soit d'autre, mais on va voir vous battre. Dans ce cas, j'accepte ton combat avec plaisir. Tu vas recevoir des crocs du nez. Dégoûtant. Tout simplement dégoûtant. Un con est lancé par la chef de la team Magma et ses alliés. J'ai vraiment mes comptes à régler. Grand Schtroumpf, tu viens avec moi. Ok. Et ensuite... Petit Phoque, est-ce que tes attaques? Bien sûr. Ce sera moi, Grand Schtroumpf et Petit Phoque. Voyons voir ce que ça vaudra. Stratopercute. Supercasse. Oh non. Psycho. Supercasse. Hydro-canon! Supercasse! Il va jouer dans ce cas au plus malin grâce aux super efficacités. Mais pas avec nous. Bamberg! Blab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 l
commence à avoir une avance. L'attaque save de Stitch est vraiment puissant. Comment on va faire? Il faudra trouver un autre moyen que Stitch ne refasse pas l'attaque save. Ou bien encore, j'ai peut-être un autre plan. Quoi donc? Excellent. Tu penses? Ouais. Dans ce cas, faisons cette stratégie-là. Stratopercute. Spercasse. Hydrocanon. Spercasse. Ils perdent leur temps, ils vont encore utiliser les mêmes attaques. Pas question. Psycho. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Maintenant, je vais t'enfoncer dans le sol. Qu'est-ce que... Ah, au secours! Je peux plus bouger! Je peux plus bouger! J'espère que je pourrai tenir encore longtemps! De toute façon, elle va finir par se relever. Alors moi, c'est Sam! Espèce d'idiot! Aïe, aïe, aïe! Qu'est-ce que t'as fait? Oh non! À cause de toi, Nanon Dinervé est en train de souffrir. Bon, moi j'étais touché un tout petit peu parce que moi ça avait pas autant d'effet. Oh, c'est pas possible. Psycho! Dinervé est KO. On est en train de réussir notre stratégie. Vous avez élaboré une stratégie? Ouais, et bien sûr, vous êtes. Et c'est... ce sera dans ce cas game over pour vous. Vibre quoi? Carcasse! Stratopercute! Spercasse! Coup critique. Vas-y, Stitch, occupe-toi-en. L'homme de rock! Spercasse! Qu'est-ce que c'est cette attaque? Je connais pas ça! Vous savez, j'ai été entraîné dans une région très spéciale, mais vous la connaissez pas encore. Une attaque inédite! Pourquoi chaque fois on a souvent une attaque inédite? Je peux pas, ça fait vraiment trop mal. Tu peux encore te relever, petit Voc? Je ne sais pas. Je ne pense pas vous retenir longtemps. Lui est en train de reprendre ses esprits. Pas de problème. Vas-y, petit Voc. Hydrocanon. Super casse. Stitch est KO. Lance-flamme! Ce n'est pas très efficace. Bonne ombre! Down! La chef de Team Magma et ses sbires ne sont plus capables de se battre. L'équipe de Franklin ont gagné! On a réussi! Yeah! Non! Non! Non, pas possible! On peut pas! Le Team Magma ne peut pas se permettre une telle défaite! J'ai pas mangé. C'est pour ça que j'ai pas bien géré. Croc du nid! L'orbe de feu est enfin à nous! Oh, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, cette fois-ci, il y en aura le bol. Comment ça? Vous pensez la voir. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle va faire? Si personne ne l'aura, il n'y aura que moi qui la posséderai. En utilisant tous les pouvoirs que j'ai pu accomplir grâce au volcan plus l'orbe de feu, il est temps de me contribuer des nouveaux pouvoirs. Mesdames et messieurs, grâce à l'orbe de feu... Maintenant, prosternez-vous devant la Reine Belle, la toute puissante. Et j'ai acquis des pouvoirs de feu hallucinants. Alerte météo, canicule sur tout le terrain. Une espèce de canicule? Oh non! Le zénith est en train d'apparaître sur le terrain.
tout le monde est touché par la canicule. Oui, oui, oui. T'en fais pas, petit ours. Je vais essayer d'envoyer quelques pistolets. Oh, psh, psh. Oh non, même l'autre a se desséché. Je peux même plus continuer, désolé. Ce sera sans moi. Par contre, la chaleur, je vais essayer moins de tenir. Si tu peux, je peux essayer. C'est du pipi de chat pour moi. Je peux pas tenir. Tant que j'aurai cette orbe de feu, je resterai dans ce qui est invincible. Hey! Lâchez la team magma! Quoi? Sache que ce sera moi que je vais. Que je vais te battre! Même sous un zénith puissant! Je me. Ça, il faut vraiment que je puisse tenir! Je ne me laisserai pas faire! Je me prouverai à quel point je peux être aussi quelqu'un de plus fort! Le plus fort des Pokémon Bleu, ça sera dans ce cas moi! Et je vais prouver dans ce cas en tant que héros, face à tous mes amis, et face à tes sbires qui sont franchement nuls. On les a terrassés de façon vite bien fait. De toute façon, ils étaient inutiles pour moi. Ils n'étaient que pour moi que des pantins ridicules et insignifiants. Je vais faire mes preuves. Ça va être un combat chaud bouillant. Notre héros est face à une plus grande menace. Belle est devenue encore plus forte que jamais à cause de cette orbe de feu. Est-ce que Franklin va réussir à tenir face au combat? Face à Belle, l'invincible. Avec cette orbe de feu en main, ça devient très compliqué. Et dans ce cas, ne manquez pas la supervision des Pokémon peluche. Je reprendrai cette orbe de feu. Quoi qu'il arrive! Jusqu'au bout, nous serons ensemble. Après tout, nos rêves se ressemblent. Et surtout, les problèmes rassemblent. Oui, nous sommes les meilleurs amis. Aujourd'hui commence notre aventure. Le danger est là, toujours présent. Nous sommes prêts à faire face et même à nous battre. Rien au monde ni personne n'osera nous défier. Si l'on est unis, on n'a rien à craindre, car notre but sera facile à atteindre. Jour après jour, on progressera. Alors suivez-moi jusqu'au bout. Nous serons ensemble. Après tout, nos rêves se ressemblent. Et surtout, les problèmes rassemblent. Oui, nous sommes les meilleurs amis. Les amis, n'hésite pas à s'entraider. Malgré tout, les malheurs et les difficultés. Un sourire suffit à ramener la joie. Alors faites comme moi. Jusqu'au bout, nous serons ensemble. Après tout, nos rêves se ressemblent. Et surtout, les problèmes rassemblent. Oui, nous sommes les meilleurs amis. Jusqu'au bout, nous serons ensemble. Après tout,
nos rêves se ressemblent. Et surtout, les problèmes rassemblent. Oui, nous sommes les meilleurs amis. Jusqu'au bout, nous serons ensemble. Après tout, nos rêves se ressemblent. Et surtout, les problèmes rassemblent. Oui, nous sommes les meilleurs amis. Sur le chemin de ma destinée, mes amis sont à mes côtés. Dès l'orage de vagues nous anime, que nous réussirons cette épreuve ultime. Sur la terre, en mer ou dans les airs, je triompherai des pires adversaires. Oh, 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 je suis invincible, Pokémon. Ils viennent d'ailleurs ou du passé. Ils sont venus me battre, mais ils vont.